Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers ? Un café, s'il vous plaît. Ça marche. Vous pensez que l'immobilier est un secteur dédié aux hommes ? Vous vous trompez. Mon invité du jour fait partie de ces femmes qui ont décidé qu'elles ne rentreraient pas dans une case qui n'est pas la sienne. Elle a cassé les codes pour mieux créer les siens. Julie Douarin est la première influenceuse mondiale de l'immobilier. Une pionnière qui a réussi à redéfinir l'agent immobilier. Pendant cette conversation, nous parlerons de légitimité, de formation, de rôle modèle, comment prendre sa place dans un domaine qui n'est pas le sien, comment faire la différence dans un milieu ultra concurrentiel, et nous parlerons également de l'immobilier, un domaine où les femmes peuvent s'épanouir. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Julie. Bonjour Tia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très, très, très honorée. C'était logique. Moi, j'adore ce type d'invitation, donc je ne m'en serais pas privée. On va commencer par une petite question hyper simple, mais que je pose à tous mes invités. Tu es plutôt thé ou café ? Café. Parfait, parfait. Alors, ce sera une vraie pause café. On va remonter un peu le temps pour que les gens puissent apprendre à te connaître. Tu étais quel genre de petite fille ? J'étais une petite fille plutôt dynamique, mais en même temps plutôt rêveuse. Moi, j'étais enfant unique pendant presque 7 ans. Donc, quand t'es un enfant seul, il faut que tu te crées en fait ton propre monde parce que tes parents sont pas toujours disponibles. Donc, dans le choix des activités, moi, qui avaient été faites seule ou avec mes parents, c'est vrai que il y avait la musique, il y avait la natation. J'adorais aussi observer la nature. Donc, je suis connue pour être la sociologue de l'immobilier. Moi, j'observe en fait mes confrères et mes consœurs comme j'observais ma fourmilière quand j'étais enfant, tu vois. Donc, oui, une enfant plutôt joyeuse, dynamique, et puis avec des parents qui étaient véritablement tournés vers le monde. Donc, on m'a amenée au musée, on a vécu à l'étranger. Donc, j'observais et je me nourrissais de ça. Est-ce que le fait d'avoir vécu à l'étranger t'a ouvert justement une vision du monde qui était différente peut-être de celle que tu aurais eue si tu avais grandi en France ? Ah, c'est évident. Ouais. Moi, j'ai eu cette difficulté à rentrer en France, même si parents francophones, mais quand même axés vers l'étranger, qui me faisaient lire en anglais ou écouter des choses en anglais, mais que cette vidéo était en anglais ainsi qu'en allemand. Et puis en plus, j'étais dans un pays qui n'était pas un pays où on passait des vacances. Hein, c'était un pays qui était en guerre. C'est pas l'Irak pendant la guerre Irak-Iran. Donc, quand je suis rentrée en France, moi, j'imaginais, si tu veux, un pays où tout le monde serait libre, où tu pourrais faire ce que tu avais envie de faire. Et j'ai été assez surprise. Après, je suis pas rentrée dans ma région d'origine. Je suis arrivée à Marseille, donc qui est une très, très grande ville avec une mixité, avec des couleurs très particulières au niveau de la façon de vivre, des gens qui y vivent. Et ça aussi, ça ouvre l'esprit. Donc, le retour en France, pour moi, il était un peu gris au démarrage. Et puis, tu apprends. Mais j'ai eu beaucoup de surprises sur le fait, par exemple, qu'à l'école, en rentrant en France, on m'a dit, t'es une petite fille, donc t'es forcément douée en dessin, ou tu t'habilleras en rose, ou tu vas faire ça parce que t'es une fille. Et j'ai pas été élevée comme ça. Donc, c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, moi, je jouais au foot à l'école à Marseille. Voilà. J'aimais bien. Je faisais pas un sport qui, au démarrage, était ultra féminin. Pourtant, il y a des grandes nageuses. Pas danse classique ni ces choses-là. Donc, j'étais déjà pas normée. Oui. Et à chaque fois qu'on m'a dit « t'es une fille, donc ce sera ce chemin-là », alors des fois, j'ai choisi ce chemin sciemment. Typiquement, le bac littéraire, moi, quand j'étais au lycée, c'était que pour les filles. Il y avait 2-3 garçons dans la classe, mais en fait, ça a été un véritable choix. Je voulais pas faire scientifique ou économie. Je voulais apprendre, mais après sur d'autres trucs, non. J'avais toujours les premières baskets, je m'habillais en noir. Je souhaitais pas du tout qu'on me ghettoise. Et je
féministe sur le terme. Moi, j'ai autant d'amis garçons que filles. Ado, je faisais partie d'une groupe où il y avait 6-7 garçons. J'avais aussi des copines filles qui étaient plutôt sportives, ce qu'on appelle aujourd'hui les filles, enfin en tout cas ce qu'on appelle dans ma génération les filles masculines, mais moi ce que j'appelle aujourd'hui des femmes qui s'affirment. C'est ça. Des skateuses, c'était la génération aussi baggy, donc si tu veux rap, et on avait finalement moins ce côté extrêmement genré que j'ai vu sur des générations après les nôtres. Et du coup, voilà, je me suis pas bloquée là-dessus. Je me suis juste dit, mais pourquoi en fait, je suis obligée de faire ça. Moi, j'ai pas envie, donc je fais ce que je veux quand je veux, et ça passe, ça casse, peu m'importe. En fait, l'objectif c'est de faire ce que tu aimes, parce que voilà, moi, j'avais pas forcément envie de faire, je sais pas, je vais te dire n'importe quoi, de la couture, des choses comme ça. Ouais. J'ai appris beaucoup plus tard pour le plaisir. D'accord. En fait, je fais quand j'ai envie de faire. Ce qui est, c'est le plus important finalement. Mais tu vois, je voudrais revenir sur quelque chose. Est-ce que ce besoin de liberté, d'affirmer cette liberté, elle n'est pas liée au fait que tu venais d'un pays en guerre où justement il y avait ce manque de liberté et que là, il fallait le revendiquer à tout prix, peu importe, ou non, pas spécialement? Alors ça peut être ça, ça peut être une des explications. Après, moi, j'ai toujours eu des femmes autour de moi dans ma famille, et notamment ma maman, qui en fait se réalisait par elle-même. Alors c'était les mères des années 80, c'était encore autre chose. Et puis elle suivait son mari, mais mes grand-mères avaient des passions. J'ai des tantes et une marraine qui ont fait une carrière. Donc la liberté pour moi, oui, enfin j'avais des, j'utilise ce terme, des modèles. Voilà, que j'aime pas particulièrement parce que je trouve que la traduction est pas toujours bonne, mais en fait, on dit ça en français. J'ai pas vu des femmes à 100% au foyer, soumises, qui avaient pas le droit de s'habiller telle qu'elle le souhaitait. Mais c'était, par exemple, ma maman, elle a pas travaillé toute sa vie, en tout cas sur la première partie de sa vie. Mais par contre, c'était quelqu'un qui, elle s'évadait par la lecture, qui est très ouverte sur le monde. Donc, ils m'ont élevée de cette manière-là et elle m'a élevée de cette manière-là. Donc il n'y avait pas de limite, c'est-à-dire j'ai envie de faire un truc, typiquement j'ai appris à cuisiner avec elle, j'avais 6-7 ans, mais en même temps j'apprenais à planter un clou pour monter une étagère. Il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de ça va être comme ça et tu dévis pas de ça. Ouais. Donc, et c'est super bien de voir que finalement la représentation, surtout quand elle est proche, nous construit en fait. Parce que comme tu le dis, j'étais entourée de ça, j'étais entourée de femmes fortes, de femmes qui prenaient leur destin en main. Donc forcément pour moi c'était juste logique de faire la même chose. Mais je pense que bien sûr que ça part de là. C'est-à-dire que tu as l'éducation et l'instruction. L'instruction, ça se passe à l'école. Donc ça c'est deux types de rôle modèle, d'où l'importance d'avoir des enseignantes. Qui démontrent que elles ont une vie à côté, qu'elles sont curieuses et qu'elles savent aussi sortir des fois des programmes. Mais l'éducation, ça se passe à la maison. Donc, moi, j'ai toujours dit, par exemple, que je ne serais pas femme au foyer, que je ne serais pas la bonne de quelqu'un. Alors, je m'entends quand je dis femme au foyer. Ma mère nous a élevées jusqu'à 13 ans. Mais, et j'ai énormément de respect pour les femmes au foyer qui choisissent que ça devienne un véritable job. Parce que quand tu le fais bien, c'est un job à plein temps, c'est-à-dire tu vas chercher tes enfants le midi pour le déjeuner, entre-temps, tu as géré tes trucs, tu repars à 13h, tu repars à 16h30, tu fais les activités. Pour celles, et ça c'est important, même si c'est pas moi mon choix de vie, j'ai toujours beaucoup de respect quand je me retrouve à côté de femmes qui ont fait ce choix-là. Donc, comme j'ai eu ces différentes images, moi j'ai toujours pensé, ma mère, quand elle s'occupait de nous, elle était toujours extrêmement pomponnée. Ouais. Tu vois, c'était pas je cours à l'école en pyjama, je me m'habille pas, je me maquille pas du tout. C'est-à-dire que il y avait et ce rôle-là et ce rôle de femme. Ouais, qu'elle assumait pleinement. Elle pour se sentir bien en tant qu'individu, et puis elle avait son monde intellectuel à elle, ses prises de position, ses opinions, ses amis. Donc en fait, c'est possible dès lors que tu choisis. Tu te définis toi-même. Je pense que moi, je me suis définie de cette manière-là parce que j'ai notamment deux tantes qui ont fait deux très belles carrières. Ma maman avait fait des études, hein, c'est diplômée. Elle a juste rencontré mon père à un moment donné où il fallait le suivre. La première mission qu'ils ont eue, c'était au Caire. Elle travaillait avec sœur Emmanuelle, donc c'est la seule fois où elle a travaillé.
avant que mon père décède quelques années plus tard. Elle s'est remise à travailler après son décès. Donc, en fait, elle a su montrer une évolution et démontrer que une femme n'est pas qu'une entité qui sera solide toute sa vie et qui ne bougera absolument pas. Donc, pour moi, le fait d'avoir ça, en termes de d'image à chaque fois. Puis il y avait des conversations avec mes parents. Ils se parlaient de sujets géopolitiques. De voilà, elle n'était pas du tout cantonnée à tu fais ça, tu gères les enfants, fin de l'histoire. Non, non. Ouais. C'est pas ça du tout. C'est génial, c'est génial. Et quand t'es adolescente, est-ce que justement tu sais ce que tu veux faire, justement, parce que t'es entourée de toutes ces femmes qui elles, ont pris leur destin en main? Ou est-ce qu'au contraire, justement, toujours lié à ça, tu te dis, bah, en fait, j'ai toute la vie devant moi et je vais me laisser porter et je vais voir plus tard. Pour l'instant, je kiffe la vie, on verra plus tard. Au tout début de ma vie, en fait, j'avais des idées. C'est-à-dire que c'est toujours très prolixe. J'ai un imaginaire débordant. Voilà. D'accord. Parce que je faisais des choses artistiques, j'adorais lire. Donc, en fait, dès que tu es une grande lectrice ou un grand lecteur, en fait, ton imaginaire, il est boosté. C'est vrai. Et par exemple, et ça, je pense que ça va faire rire tout le monde, enfin, moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un. Il y avait une pub pour des matelas. Donc, je vais pas citer la marque parce que sinon, dans le code de la consommation, je vais être obligée de te citer deux autres marques. Je les ai pas. Et une pub pour des matelas et on venait de rentrer en France et je pensais qu'il y avait un monsieur ou une dame qui était testeur ou testeuse de matelas, donc qui sautait sur les matelas longueur de journée et qui dormait, et j'avais dit je veux faire ça. Ça peut être sympa comme boulot. Un peu plus âgée, j'étais quand même très très ouverte sur des choses qui touchaient l'international. Donc moi j'ai un rêve que j'ai pas réalisé, enfin que j'ai pas réalisé de la manière dont je voulais le réaliser. Je voulais faire de l'humanitaire. D'accord. Moi, je voulais aller aider les gens, puis forcément, ma mère me racontait aussi, quand elle accompagnait, elle s'occupait en fait des rapports de Sœur Emmanuelle, mais Sœur Emmanuelle amenait ses équipes dans les bidonvilles. Donc, j'ai eu ces histoires, en tout cas ces anecdotes qui m'ont été racontées quand j'étais enfant. Donc, il y avait ça qui me plaisait bien, et autrement, avocate en droit international, pour aller m'occuper de personnes qui étaient en difficulté ou qui demandaient l'asile. Enfin, c'était à 14 ans, c'était ça. D'accord. Et puis, en grandissant, parce qu'on n'est pas qu'un seul atome, on n'est pas qu'une seule pensée. En fait, on a le droit de rêver sur plein de choses. Moi, j'adorais dessiner et j'adorais également l'histoire. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. J'étais en difficulté, moi, l'année de mon bac, parce que j'avais tellement envie de faire plein de choses que je me disais, mais je peux pas faire tant d'années d'études là-dessus et ne faire que ça dans ma vie. J'avais déjà en tête plus jeune, alors que c'était pas encore le mode de penser. Et puis tu voyais tes parents, ou nos oncles, ou tantes, on en a tous des comme ça dans nos familles, qui restaient dans une même société à vie, qui faisaient le même métier à vie. Ouais. Et en fait, c'est aussi cette dynamique de CDI. Moi, j'ai quitté 4 CDI dans ma vie. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai envie de faire un truc, que le challenge est là, j'y vais. Et ça m'embêtait, ça m'a toujours embêté de me dire toute ma vie je vais faire la même chose, parce que t'évolues très vite, ton caractère perso évolue de par peut-être les étapes que tu vas avoir dans ta vie, les rencontres que tu vas faire dans ta vie. Et plus tard, en fait, donc j'ai fait une fac d'histoire. Après, j'aimais quand même tout ce qui était artistique, donc je suis venue faire une école artistique à Paris, parce que en histoire, en fait, ce que j'ai vu, c'est très simple, hein. Je me retrouve dans un amphi au démarrage et ils veulent tous être professeurs. Oui. Pas moi. Moi, je venais pour être égyptologue. Donc, tu vois, j'étais. Je me dis, c'est une bac plus 7, il faut passer une école en concours, machin, nan. Et mon père était déjà décédé, et donc mon frère est beaucoup plus jeune. Et je me suis dit, j'ai pas le temps. Donc, je vais garder ça comme une passion. Et puis derrière, l'égyptologie, ou en tout cas l'archéologie, il faut du mécénat. Donc, il faut des fonds importants. Et puis, si tu choisis des pays qui sont géopolitiquement en difficulté, t'es pas assuré finalement de pouvoir exercer à 100%. Bien sûr. Ouais. Donc, c'est resté une passion. C'est vrai que souvent, moi, je parle d'histoire ou sciences humaines parce que c'est quelque chose que j'aime profondément. Et ça me vient de ma grand-mère, qui est une passionnée d'histoire. Donc, les musées, les. En ce moment, on pense beaucoup à Stéphane Bern. La reine Elisabeth est décédée, donc Stéphane Bern, j'ai eu droit, saga, voilà. Je trouve ça passionnant parce qu'il fait venir les meilleurs historiens au monde. Ça aussi, il faut le savoir. Hein. Ouais. Et après, donc l'artistique, j'adorais dessiner. J'avais un autre rêve, j'adorais le stylisme. Donc, j'ai fait ça pendant des années. J'ai travaillé dans ce milieu-là. Donc, à chaque fois que j'ai voulu quelque chose, l'opportunité est arrivée. Je l'ai fait, je l'ai testé. Je suis allée jusqu'au bout de ma propre ligne. Ouais.
Et derrière, j'ai vu d'autres sujets qui me passionnaient. J'ai dit, OK, l'avantage d'être autodidacte, en fait, ça se passe sur des rencontres. Donc, si tu démontres que intellectuellement, tu te sens assez forte pour tenter quelque chose, il faut y aller. Or, moi, je voyais beaucoup, quand je passais des entretiens, en général, j'étais la seule femme, où j'acceptais des distances qui étaient hallucinantes pour d'autres. Et finalement, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Comme ça, l'immobilier, ça s'est joué comme ça. Ça s'est joué après une rupture amoureuse. Et avant de rentrer dans l'immobilier, justement, je vais rester sur cette partie-là, justement, d'autodidacte, où tu ne restes pas dans une case, parce que finalement, je pense que la majeure partie des gens qui nous écoutent, alors, sont des femmes, ça, clairement. Et en plus, on est dans un monde francophone où on aime nous mettre dans des cases. Parce que je trouve que c'est une approche qui est très anglophone de se dire, OK, j'ai commencé là, mais si après je veux aller ailleurs, je peux aller ailleurs et c'est pas grave, en fait. Alors qu'en France, moi, je me rappelle d'une interview que j'avais faite. Alors, j'ai pas le même parcours que toi, mais par contre, tout comme toi, je suis une touche à tout et j'ai eu 1000 vies. Et j'avais eu une interview d'une femme et je lui avais parlé de mon parcours. Et à un moment, elle m'a demandé, mais si c'était pas un signe d'instabilité? Pas du tout. Au contraire. C'est ça. Ouverture. Ouverture. Mais c'est vrai que moi, j'ai très mal vécu, si tu veux, cette adolescence. Donc, on a quitté Marseille, on est rentré en Bretagne. J'avais du mal. J'ai eu des super camarades. Hein, j'ai eu un beau moment de vie aussi en Bretagne et c'est ma région d'origine puisque j'y suis née. Ouais. Et en fait, mes camarades, à part partir en vacances avec leurs parents, ils connaissaient rien du monde. Et même des grandes villes, c'est-à-dire qu'on parlait ne serait-ce que de Paris ou Marseille, et je sais que t'es en Allemagne, donc Berlin, t'étais là, t'avais l'impression que tu leur disais, enfin, il y avait une angoisse de leur côté. Alors qu'en fait, le monde, c'est le champ de tous les possibles. Moi, je travaille beaucoup aussi avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec d'autres pays dans le monde. Les États-Unis, moi, m'ont apporté aussi cette ouverture. Ma maman m'a envoyé, c'était un échange scolaire. J'étais en seconde aux États-Unis, à Philadelphie. Donc, quelques jours dans une high school, quelques semaines. Et j'étais tombée sur un prof de physique. Alors, moi, j'étais plus chimique physique. Donc déjà, ça partait mal. Et le cours extraordinaire, au lieu de faire un cours comme en France, tu sais, où ouvrez vos cahiers et on va faire tel ou tel sujet. En fait, ils avaient du savon liquide pour faire des bulles, comme ouais. On offre aux enfants. Ouais. En fait, je me souviens plus du sujet du cours, mais il y avait quelque chose avec la pesanteur et je sais plus quoi. Et je suis avec une de mes copines de lycée et on se regarde toutes les deux, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cours? Qu'est-ce qu'il a fumé, quoi? Parce que nous, on préparait notre bac 3 ans après, on était là, on se dit, mais c'est pas possible. Et notre anglais était un anglais plus britannique, puisque bretonne, mais bretonne du Nord, donc un quart d'heure en bateau des îles anglophones. Donc là aussi, même si on parlait bien anglais, il y avait cette difficulté de wording américain, donc on était aussi en apprentissage là-dessus. Et ce prof nous dit, il se tourne vers nous parce qu'il voit nos yeux. On se dit, mais non, en fait, non, non, non. Et il nous dit, mais vous savez, le principal, c'est vous allez apprendre une notion, vous allez apprendre des mots que vous ne connaissez pas dans une langue que vous êtes censé déjà bien connaître. Il faut s'ouvrir. Le faut s'ouvrir. Et ouais. C'est un homme. Et ça, c'est resté, moi, toute ma vie, il faut s'ouvrir. Donc, on peut faire plein de choses de manière différente, mais c'est vrai que l'enseignement en France, moi, j'en parle régulièrement parce que je suis aussi enseignante dans les grandes écoles immobilières et je fais aussi des conférences dans des écoles de commerce. Je suis très surprise de voir que on reste très basique dans notre manière d'enseigner, sauf, et ça a été également mon cas dans ce fameux collège-lycée, d'avoir des intervenants qui étaient dans l'esprit, tu sais, Michel Pfeiffer. Ouais. Dans le film en français, ça devait être Esprit rebelle de mémoire. Cette prof un peu underground qui sortait des sentiers battus, qui accompagnait ses élèves. Et j'ai eu une enseignante comme ça, en seconde et en terminale, qui pouvait sembler très, très dure au démarrage, mais qui faisait des ateliers à côté, qui était très, très rock'n'roll et qui a réussi à finalement à nous amener à un autre mode de pensée. Et tout ça cumulé, finalement, c'est clair que je trouve que peut-être on passe à côté de beaucoup, beaucoup de talents. Moi, j'ai une manière d'enseigner qui diffère. Et les résultats, en fait, au démarrage, ça a été très mal pris.
je dois le dire, hein. Les gens étaient surpris de la manière dont moi j'abordais le sujet. Je commence avec eux, puis c'est des jeunes adultes. Moi, je me suis émancipée très jeune. Je suis partie très jeune de chez moi pour faire mes études, pour travailler, et de leur dire, vous êtes des adultes. D'ailleurs, vous n'êtes pas mes élèves. Ouais. On est au même niveau. Et quand tu pars comme ça, alors pourquoi je les fais bosser comme ça aussi? Parce que comme j'ai confiance en moi, mes parents m'ont élevé comme ça et j'ai eu cette chance d'avoir des intervenants qui m'ont donné confiance en moi, je vois des jeunes adultes entre 18 et 30 ans qui n'ont pas confiance en eux et qu'on ne laisse pas s'exprimer. Le modèle français, c'est le programme, c'est ça. Si tu sors de la ligne ou si tu poses des questions qui ne rentrent pas dedans, soit moi je n'ai pas envie de répondre, ça peut arriver comme ça, soit je n'ai pas le droit de répondre, t'as certains intervenants qui disent ça. Et en fait, l'objectif, c'est finalement la tribune des personnes qui viennent écouter, pas l'inverse. Sinon, ça s'appelle un cours magistral en amphi ou une conférence. C'est écouter de sous-grade et ça n'a aucun intérêt. Il faut ressortir avec quelque chose. Donc, le repositionnement en tant qu'acteur de la personne qui apprend, c'est de cette manière-là, en tout cas, moi c'est ma façon de penser, hein, qui me permet de les amener vraiment là où ils ont envie, eux, d'aller. Et ils ont le droit de changer dans l'année. J'ai eu des jeunes qui, en début d'année, m'ont dit « mais c'est ça, c'est ce type d'IMO ». Et puis, en milieu d'année, petit coup de fil, mais finalement, non. Vous avez expliqué ça, on a vu tel type de… Je veux basculer, je sais pas, je te prends un exemple tout bête, hein, de l'immobilier commercial à l'immobilier social parce que vous avez fait une introduction là-dessus et que je pense qu'au niveau de mes valeurs ou aujourd'hui dans ma vie, voilà, moi je veux être acteur ou actrice de ça, comment je fais ? Ouais. Et c'est super intéressant parce que ça montre aussi que nous sommes des êtres pluriels et que on a un large spectre de possibilités et que quand en face, ben, comme toi, il y a des gens qui nous disent « mais vas-y en fait, vas-y, ose ». Et si demain, ben, tu réalises que c'est pas ça ou même que tu t'es trompé, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Non, c'est une véritable étape, c'est une véritable expérience. Là aussi, toi qui es à l'étranger, moi j'avoue que j'ai cette tendance, alors je lis autant en français qu'en anglais, mais il y a des discours ou en tout cas des traductions, je vais le dire comme ça pour ne pas heurter la sensibilité des auditeurs et des auditrices. En France par exemple on dit échec, en anglais on dit étape. C'est pas du tout la même intention du tout, c'est vrai. Et le côté très l'étape en fait t'amène à une réflexion heureuse, positive. Le mot échec, il te casse d'entrée de jeu. Je dis même pas limitant, c'est ça te casse. C'est t'as pas réussi, t'es pas bon. Ouais. C'est faux. En fait, bien sûr que tu peux tout faire. Bien sûr que tu peux, on peut tout dire, mais de manière classe, pas clashante. Moi, j'avoue qu'en ce moment aussi, le gros sujet, c'est que je vois se développer, en fait, un mode de communication dans l'immobilier qui est clashant, clivant par rapport aux clients. Et d'accord, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que, comme avec les étudiants et futurs diplômés ou cette génération qui est la génération présente, pas du futur. Déjà, c'est notre présent. Ça part de ça. Quand tu dis, ils sont le centre, moi, de mes interrogations. Et quand on est en clientèle, mais si le client n'existe pas, en fait, rien n'existe autour. Donc, comment se permettre de porter un jugement et de dire à une autre personne, en fait, j'ai la solution absolue. Et ce que vous me dites ou ce que vous émettez comme hypothèse ou comme solution, vous avez forcément tort. Et je l'entends de plus en plus, ça. Et tu vois, encore une fois, j'avais un café à côté de deux personnes qui vendent un appartement. On a eu cette conversation-là. Ouais. Et ils avaient eu cette conversation avec la personne qui était en charge de leur appartement avant. Et ils me disent, mais c'est pas du tout ce qu'on nous a dit. En tout cas, on nous l'a pas formulé de cette manière-là. Alors moi, je pense que c'est pas que lié à l'immobilier. Tu vois, moi, je suis dans l'aérien et j'ai le même ressenti. Et je me demande si c'est pas finalement générationnel ou peut-être temporel. Tu vois, en ce moment où, sous prétexte de liberté d'expression, ben, on se permet d'aller très très loin dans la façon dont on dit les choses aux gens. Et j'ai l'impression que c'est tout le monde qui est concerné, pas que des corps de métier, mais que tout le monde finalement est concerné par ça. Je pense aussi. De toute façon, on est dans une mutation de société. Mais ça faisait longtemps. Hors Covid, hors problèmes économiques actuels,
On est dans des renouvellements de génération. On voit bien, il y a un sujet actuellement sur lequel moi je suis engagée depuis le démarrage. Et tu vois, c'était parti d'un podcast également. L'année dernière, on me commande 4 podcasts, dont 3 métiers. Puis le dernier, c'est qu'envisagez-vous fin 2021 et que va donner 2022. Et je dis aux journalistes. Donc là, on est sur un podcast média-métier. Donc très fermé. Et je donne le plan et je dis, je veux parler de la clientèle Yale. Ok. On me dit non. Pourquoi ? On enregistre, mais parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas. Et je leur dis, donc j'ai un intervieweur qui ne connaît pas forcément l'immobilier et qui ne connaît pas en fait cette dynamique. Et je lui dis, mais moi, ça fait presque 18 ans maintenant que je suis dans ce milieu. J'ai connu les démarrages, en tout cas, de la prise en charge de la communauté LGBT. Mmh. Ça a été difficile parce que ça reste des clients, mais en fait, c'était mal calibré au démarrage. Et si on n'a pas de considération pour nos clients, ça peut pas fonctionner. Donc, on prend l'individu tel qu'il est. C'est son projet de vie, pas le mien. Et je voyais ça arriver. Je regardais ce qui se passait aux États-Unis. Eh bien, figure-toi que le podcast, hein, ils l'ont quand même lancé. C'est le seul sur lequel ils m'avaient pas prévenu en décembre, donc 3 mois après. Ouais. Et le journaliste en question me dit, tu avais raison parce que les États-Unis viennent de l'inscrire sur les passeports. Et pourquoi j'en suis venue à cette réflexion-là? D'une, j'ai vu des clients souffrir parce qu'ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient mariés en couple de même sexe. Il y avait des confrères et des consoeurs qui ne voulaient pas les traiter, soit parce que ça les dérangeait, soit vraiment une homophobie qui était typiquement... Et là, je leur dis, mais attention, les Yale, c'est pas tout à fait ça. C'est d'abord une préoccupation de genre. Après, vous confondez genre et sexualité. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, si la loi française nous dit quoi? Si on rajoute sur une case, quand on est en présentation, que ce soit acquéreur ou vendeur, madame, monsieur, si on en rajoute une, parce que c'est important pour eux, parce qu'ils l'ont dit l'été précédent, le moment où on recommence, nous, beaucoup à travailler. Moi, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes, entre 20 et 30 ans, qui me disaient le prénom, l'âge, je suis Yale. Je suis allée chercher pour ça, en me disant, mais pourquoi ils me disent ça? Donc là, il y a un terrain, il y a quelque chose qu'on doit, nous, en tant que prestataire, je dois m'informer là-dessus. Ouais. Et du coup, une fois que j'ai compris ce que c'était, j'ai dit, ok, donc si on rajoute une case Yale avec, entre parenthèses, le sexe de référence étant celui de la pièce d'identité officielle, ils se sentent considérés, on sait ce que c'est, et légalement, on est bien. Mais ça a été un vrai sujet, ce podcast, tu vois, sur la mutation de la société. Et cette génération qui se revendique et qui a envie également d'avoir une scission avec les générations précédentes, mais ça a été comme ça sur toutes les générations. Bien sûr. Je suis des années 80, nous c'était le rap, c'était on est des durs, génération black blanc beurre, enfin. Et derrière, tu vois d'autres générations, mais pourquoi on a fait ça? Pour se scinder de la génération des années 70. C'est intéressant parce que finalement, chaque génération a son combat et chaque génération amène sa pierre à l'édifice pour créer quelque chose de meilleur. Et c'est ça qui est intéressant. Et on va développer cette partie justement immobilière où tu es aujourd'hui actuellement. Mais comment tu rentres justement dans ce milieu immobilier? Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis je vais travailler dans ce domaine qui est, en plus, à l'époque, encore plus masculin qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on commence, alors surtout en France, c'est vrai que moi, je connais pas le milieu américain, en tout cas, on va dire même international de l'immobilier, mais c'est vrai qu'en France, moi, je m'intéresse à l'immobilier depuis, on va dire, 1 an et demi. Je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de femmes avec qui j'ai parlé d'investissement, le nombre de femmes professionnelles agentes immobilières. Comment toi, déjà, il y a combien de temps que tu es rentrée? Ah oui, tu as dit il y a 18 ans. Mais il y a 18 ans, qu'est-ce qui fait que tu te dis « je vais faire ça » ? Une séparation. Moi, j'étais indépendante au démarrage de ma carrière, donc ça, c'est la mode. Et comme on est en France, il faut louer un appartement, mais il faut un CDI. Et oui. Voilà. Donc, on me dit très gentiment, ma petite cocotte, oui, c'est bien, il y a de l'argent, mais en fait, non, vous n'êtes pas stable, donc on ne louera pas. Donc, je me dis, ok, je vais chercher un autre job. Donc, je fais des CV, je passe par des boîtes d'intérim, des chasseurs de tête. Et il s'avère que, après le décès de mon père, un de mes oncles, toute la famille est rentrée en Bretagne, et un de mes oncles, en fait, était syndic. Il a remonté, en fait, une agence immobilière en Bretagne et il a travaillé avec ma maman pendant des années. Mmh. Donc,
adolescente, moi, je voyais l'agence immobilière. De temps en temps, j'allais accompagner ma mère pour des EDL et machin. Mais en fait, j'avais dit surtout pas. Parce qu'en plus, elle, sa spécialité, c'est la location, gestion, contentieux. Donc, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est l'humain dans ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire dans des situations où un jour, tu peux payer ton loyer ou tu peux acheter. Et le lendemain, tu es dégagé. D'accord. Et elle a adoré ce métier. Elle a fait ça 20 ans. Hein. Mais là, ça va aussi avec ce qu'elle elle avait vécu plus jeune. Et moi, je ne voyais que ça. Je ne voyais pas la partie transactionnelle. Enfin, je... Et le premier poste qu'on me propose, donc sur mon CV, puisque du coup, mon oncle m'avait dit, bah si, t'as fait 2-3 stages, donc je te fais des attestations, j'avais ça. Il y a un monsieur qui me dit, mais j'ai des postes dans l'immobilier, mais c'est de l'immobilier social. Alors, moi, immobilier social, comme beaucoup de Français HLM, et en fait, je me suis trompée. Là aussi, hein, je vais revenir là-dessus. Et je passe un entretien avec la mentor de ma vie, qui est toujours en activité, qui a 10 ans de plus que moi, qui s'appelle Malika Martin. Je la cite à chaque fois parce que là, pour la peine, elle fait partie des très, très grandes en France et qui me fait passer un entretien tard le soir et qui me dit, voilà, j'ai un demi-poste ici. Il y en a un autre dans l'Essonne à 1h30 de chez toi. Le temps que je crée peut-être un poste parce que l'activité est en train de monter. Donc, c'est Paris Intramuros, c'est un des plus gros bailleurs nationaux. D'accord. Que tu acceptes de faire ça avec nous et ça matche. Ça matche avec elle et dans l'entretien, elle me dit, mais en discutant, donc tu veux vraiment faire que de l'alimentaire, mais tu verras, c'est un milieu génial. Et si moi, j'arrive à te convaincre, je sais qu'à un moment donné, je changerai de poste ou je partirai dans une autre maison et tu me remplaceras. Et je sors de là en rigolant, en me disant, mais non. C'est dingue quand même. Parce que mais... c'est quand même le premier rendez-vous que vous avez, vous ne vous connaissez pas du tout, mais elle te dit ça, c'est quand même dingue. Et elle a fait en sorte de me donner cette passion. Alors, ce qu'elle a d'exceptionnel, cette femme, c'est que c'est juste avant que la loi sur le droit au logement opposable ne passe. Donc, je vais juste donner un indicateur très clair pour que tout le monde comprenne ce que c'est. C'est avant, on cherchait un logement attribué par soit la ville, soit la préfecture, soit le 1% patronat, parce que c'est ça le logement social, en fait. C'est 10 possibilités d'obtenir, mais faut des critères différents. Et elle nous dit, bah, moi, avant que ça passe, donc normalement, c'est un couple ou une personne ou un foyer sur un logement. Et le DALO, pour répondre à la demande croissante, en fait, l'État propose finalement 3 candidats par logement. Et après, c'est délibéré dans ce qu'on appelle une commission d'attribution. Moi, j'arrive juste avant, au moment où c'est un foyer, un logement. D'accord. Et donc du coup, elle, ce qu'elle souhaitait, c'était que on rencontre absolument chaque candidat. Ok. Donc le fait de rencontrer chaque candidat, quel que soit le collecteur, donc préfecture, mairie ou 1%, c'est pas du tout le même impact. Donc elle a réussi à mettre de l'humanité dans quelque chose finalement qui se veut très administratif et très très normé. Et c'est pour ça finalement que moi ça m'a intéressée. L'équipe était hyper soudée. Donc nous on commençait à 8h du matin. Les gens comptaient pas leurs heures parce que en fait t'arrivais le lundi, fallait que pour le vendredi à 14h les commissions elles soient prêtes et que t'aies eu le temps de rencontrer tout le monde et que t'aies eu le temps de traiter tout le monde. Ouais. Donc il y avait, ça ressemble si tu veux un petit peu aussi à ce qui se passe dans les bourses. C'est-à-dire t'as une cloche, faut que tu sois dans le timing. Et j'ai trouvé ça assez fantastique. Et effectivement, un an après, elle est partie et je l'ai remplacée avec la même équipe. Mais justement, le regard que j'ai sur ce travail, c'est un travail qui est humain quand on a la bonne approche, mais qui peut être aussi très dur. Comment tu as vécu ces années où des fois, c'était pas facile, justement, face à des gens qui étaient dans des difficultés humaines, financières? Comment on gère ça? Surtout quand c'est son premier boulot, vrai boulot. Tante, j'étais très jeune, hein. Donc, il y a eu des soirs quand même où je rentrais chez moi, je pleurais. Hein. Parce que il n'y avait pas que cette partie attribution de logement, je dirais, basique. On avait aussi les associations et notamment Emmaüs avec le Quai de Valmy, les Tentes Quechua, donc les Enfants du Canal, sur une période où la précarité, là aussi, c'est dans l'histoire de notre pays, elle était assez importante à ce moment-là. Et il a fallu se blinder.
Alors, se blinder, mais sans perdre ton humanité. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des situations sur lesquelles tu peux avoir un véritable impact. Moi, j'ai quand même encore en tête des épisodes où ça se termine bien. Et on était une équipe qui faisait en sorte, avec les chargés d'accompagnement sociaux, de faire, enfin, on voulait que nos dossiers passent. Donc, quitte à décaler de quelques semaines le temps d'avoir les bons éléments, de faire les bonnes enquêtes, on avait un taux de réussite qui était presque à 100%. D'accord. Parce que l'engagement des individus, en fait, qui travaillaient dessus était très, très fort, mais c'était impulsé par elles. C'est-à-dire qu'avec une autre dirigeante ou un autre dirigeant, on aurait certainement fait de la performance, mais au détriment de l'humain. Alors, c'est un immobilier vraiment à part. Hein. Ça fait partie de la famille immobilière, mais il y a des phases, oui, où on voit des choses, des femmes battues, on voit des gens qui dégringolent très, très rapidement et qui sont pris en charge par les associations. Et là, faut beaucoup de dignité, faut parler normalement, faut pas infantiliser. Alors, bien évidemment, on ne se substitue pas aux personnes qui les accompagnent, mais il est de notre responsabilité de les remettre aussi dans la société. Parce que tu sais comment ça fonctionne, c'est-à-dire que, et là, il n'y a pas que la France de concerner, c'est pour avoir un logement, il faut un emploi, mais pour avoir un emploi, il faut un logement. Ouais, faut à un moment donné, faut impulser quelque chose, ouais. Et faut que ça se débloque d'un côté ou de l'autre. Mais oui, il y a eu des situations ou des familles qui nous restent en tête. Et finalement, dans ces années de carrière, moi, j'en parle régulièrement dans les conférences ou ne serait-ce que en cours auprès de la nouvelle génération. À mon sens, c'est ce qui a été le plus satisfaisant dans ma carrière. Parce que tu ressors de là, tu te dis, OK, j'ai pas une cape de Wonder Woman, mais au moins, ça, on a sauvé un individu ou une famille. Et quand tu les recroises des années après et qu'ils se souviennent de toi alors que tu as pris 18 ans, donc en fait, tu es plus tout à fait le même physique, et qu'ils te racontent ce qui est devenu leur vie, ça, ça n'a pas de prix. Voilà. Bien sûr. Est-ce que cette façon de travailler a redéfini la femme que tu étais et la façon dont tu te voulais travailler? Alors, comme c'était le premier poste, je dirais... Parce que c'était le premier et que c'était quand même quelque chose de très fort, très lourd. Il y a eu différents sujets. C'est-à-dire que Malika, en plus, elle a fait du droit. Comme étude, donc c'est quelqu'un qui m'a véritablement calibrée sur l'éthique, sur droit et administratif. Donc j'aime les choses très carrées. D'accord. Alors, sur la partie proposition de valeur. Après, sur la partie humaine, si ma partie administrative et juridique est blindée, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Donc toute ma vie, j'ai une habileté commerciale. Moi, je ne suis pas une vraie commerciale. J'ai une habileté commerciale, ça n'est pas la même chose. Par contre, c'est vrai que je suis connue pour ce côté, c'est toujours, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que je vais baliser un maximum pour finalement me libérer du temps sur des choses que j'aime faire et l'humain. Ouais. Donc ça, ma carrière, ça a transpiré. Et ça vient de là. Si j'avais commencé avec quelqu'un peut-être de plus commercial, j'aurais peut-être pas enregistré en tout cas les mêmes biais et ça n'aurait peut-être pas donné ça à la fin. En tout cas aujourd'hui, c'est pas la fin. C'est pas la fin, loin de là. Après cette expérience, il se passe quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu décides de faire? Alors, je vois bien que j'ai pas les diplômes parce que là aussi, il faut quand même avoir certaines connaissances. Et il y a d'autres types d'immo qui émergent et je me dis, je garde en tête ce qu'elle m'avait expliqué, à savoir forme-toi toute ta vie. C'est les démarrages en fait des niches fiscales, donc loi Cellier et autres. Et j'ai envie de savoir ce que c'est. Donc je me dis, j'ai envie de rester dans l'immo. Alors c'est un vrai gap, hein, immobilier social, défiscalisation. Là, c'est le grand latéral. Mais là aussi, c'est des belles rencontres. Donc, je continue dans une société qui s'appelle Patrimoine Management et Associés, qui est devenue Primonial entre-temps, qui est devenue un groupe international, mais je suis au tout début. Hein. Et le fondateur, qui aujourd'hui est décédé, en fait, avait cette vision
de concurrencer finalement les grandes sociétés de défiscalisation qui étaient les institutionnelles et s'entourer finalement de personnes qui travaillaient énormément. Et la seule liberté, enfin, on avait une liberté d'un côté, mais il était dans cette même dynamique de forme-toi toute ta vie parce que il n'était pas né dirigeant. C'était quelqu'un du tout loin. Ok. Et j'ai continué comme ça, et puis après du neuf, et puis j'ai voulu toute ma vie en fait me former aux immobiliers que je ne maîtrisais pas. Et à chaque fois que j'ai voulu le faire, bah, j'ai retenté des entretiens et ça passait. Je passais devant les personnes finalement qui avaient des diplômes parce que j'étais issue du terrain opérationnel et que finalement le fait de pas avoir été, je dirais, formatée par certaines écoles en disant ça, je m'arrête à ce moment-là ou je pars à telle heure parce que ça ne fait pas partie de mes champs de compétences. Moi, mon objectif, c'est réussir. Ok. Alors, tu commences un truc, tu le termines. J'étais pas dans ce stress de je dois donner l'image d'eux parce que je sors d'eux. C'est non, ouais, moi je vais là. Est-ce que tu as vécu le syndrome de l'imposteur justement parce que tu n'avais pas certains diplômes, parce que tu ne sortais pas de certaines écoles ou non, comme tu le dis, non, parce que tu étais du terrain et que finalement c'est la meilleure école qui soit? Alors je n'ai pas eu le syndrome de l'imposteur. Tout simplement parce que en discutant avec ces personnes, et puis il y en a certaines avec lesquelles j'aime travailler, hein, eux ont ce sentiment d'imposteur par rapport au fait qu'il n'est pas vécu à l'étranger, contrairement à moi. Là, c'est marrant. Il y a une espèce de balance qui se fait. Ouais. Certains venaient avec une admiration. Je dis, mais c'était pas mon choix, c'est le choix de mes parents. Donc, en fait, vous admirez les choix qui ont été faits sur d'autres générations et qui ont fait que finalement il a fallu suivre. Mais là aussi, le fait d'avoir grandi ailleurs et surtout d'avoir été, éduqué d'une autre façon, je me suis jamais dit je vaux moins qu'eux. Ouais, c'est génial. Le fait finalement, et je les voyais des fois en difficulté parce qu'ils avaient envie d'aller plus loin, mais comme on leur avait dit. Dans certaines écoles, ben non, c'est ça, c'est pas autrement. Et certains me disaient aussi régulièrement, mais c'est pas normal que t'aies pas le même salaire. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, le salaire il va arriver au même moment. Tu verras que au niveau des résultats, je vais être meilleure que toi. Pas parce que j'ai un ego démesuré, pas du tout. C'est parce que moi, je ne me vois pas ne pas y arriver. Et eux, ils se bloquaient d'entrée de jeu. En disant, ben moi, mon métier, c'est faire que des tableurs ou qu'étudier ça. Moi, mon métier s'arrête là. Et donc, il manquait cette curiosité certains la désiraient, donc ils sont allés la chercher. Il y en a certains qui se sont libérés de ça. Mais majoritairement, d'autres te disaient, non, voilà, j'ai un bac plus 5, c'est ça, c'est pas autre chose. OK, donc après, finalement, quand toi, tu me dis, c'est pas normal ou je me sens pas à l'aise, c'est toi qui vis ce syndrome de l'imposteur et pas l'inverse. C'est ça. Mais c'est dément, tu vois, ce que tu dis, parce que forcément, on parle de la France et du modèle que l'on a, mais c'est vrai qu'en France, et moi, je l'ai vécu pas plus tard qu'il y a 2 ans, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris mes études, ce syndrome de l'imposteur, on a l'impression de pas avoir les compétences qu'il faut parce qu'on n'a pas le diplôme qu'il faut. Et tu nous prouves que non, en fait. Alors, le diplôme, c'est un papier, et oui, ça nous apprend des choses, mais qu'on peut apprendre différemment. Et c'est vrai que écouter ton témoignage, ça peut débloquer tellement de personnes qui nous écoutent en se disant mais c'est vrai en fait, je sais faire, j'ai pas passé le diplôme mais je sais faire, ou j'ai la curiosité d'y aller, j'ai la motivation, la force d'y aller, et ça peut pousser des gens à faire des choses incroyables et d'arrêter juste de se cantonner au fait que j'ai pas le diplôme. C'est tellement dommage. Moi, je l'ai vécu, alors je suis contente parce que finalement je l'ai eu, mais au fond mon mari me disait mon mari un jour m'a posé cette question, mais si tu l'as pas, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Et en vrai, non. En vrai, non. Ça change rien du tout. J'ai eu cette semaine différents événements et je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui est très, très connu dans le monde de l'immobilier, qui est un homme et qui a une jeune femme, voilà, elle a 19 ans, et il m'a parlé de sa fille et me dit, voilà, elle sort de télécole, mais il y a encore... quelques années d'études et elle demande à faire une alternance dans un gros groupe. Et en fait, comme il a les connexions, il lui dit, bah, je passe le CV. Voilà. Il pistonne même pas, il donne juste le CV. Et il me dit, ce qui est dingue, c'est que nous, on se connaît entre dirigeants et que le dirigeant en face me dit, bah, écoute, à part faire du café ou des photocopies, je vois pas ce que je vais pouvoir lui faire faire. Moi, ma réponse à ça, c'est quand tu es un dirigeant,
quand t'es, on te met quelqu'un avec toi. Déjà, les cafés, les copies, ça n'existe pas. Tout le monde est là pour apprendre. Donc, voilà, ma réponse a été, je comprends pas que dans un gros groupe comme ça, ok, ça va nous prendre un peu plus de temps au démarrage. Il me dit, et la question qui arrive derrière, il me dit, mais toi, t'aurais fait comment? Je dis, moi, tu me la donnes, tu m'envoies le CV, elle passe l'entretien comme tout le monde, je la choisissais. C'est l'ombre de mon ombre. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ouvre ses oreilles, elle vit ma vie. Je l'amène partout avec moi, comme Malika l'a fait avec nous, en fait. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, être stagiaire, c'est mettre le pied dedans et voir comment ça se passe. Et tu vois bien qu'en étant diplômée, même à ce niveau-là, la première réflexion, bah, c'est non, elle fera des copies et du café. Ouais. Et ça aussi, c'est notre responsabilité à nous, les personnes qui recrutons, qui accompagnons ou qu'on déclare étant tuteur ou tutrice, soit d'une personne qui commence un nouveau job, soit d'un jeune diplômé, c'est de le mettre directement dans le bain. Et c'est comme ça aussi qu'on gagne cette confiance et que derrière, il n'y a plus cette espèce de bulle dans laquelle on s'est enfermé en France, à savoir, je suis dans le syndrome de l'imposteur. Ben non, puisqu'en fait, t'es venu avec moi. Donc, tu sais, t'as vu, maintenant, on va te mettre en action. La prochaine fois, c'est toi qui y vas et moi, je joue l'auditrice. J'ai adoré faire ça pendant des années. Après, dans d'autres professions que j'ai faites, c'est-à-dire, je jouais le rôle de l'assistante et les gens me regardaient en disant, mais c'est pas possible. Bah si, mais c'est son premier jour et moi je veux que cette personne-là soit cohérente. Ouais. Et est-ce que c'est pas une nouvelle façon de manager? Parce que il y a cette ancienne façon où justement on va te dire fais ci, fais ça, fais ci, sans jamais t'expliquer, sans jamais te laisser l'opportunité même de faire des erreurs et d'apprendre. Et il y a cette façon dont que tu fais et qui est de ok, t'es avec moi, tu regardes, tu fais aussi et on agence et on voit ce qu'il y a à rectifier et tu apprends en même temps. C'est peut-être une nouvelle façon de faire. Alors, c'est vrai aussi, là encore, c'est parce qu'on a des profils, en tout cas, moi, le mien, je ne suis pas passée par une école de management ou de commerce. Par contre, j'ai eu des dirigeants, alors pas les deux premiers, je tiens à le dire, pas les deux premiers mentors de ma vie. Après, je l'ai connu avec d'autres dirigeants ou dirigeantes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, pour lesquels et avec lesquels j'ai travaillé, où tu es, c'est un peu comme dans Game of Thrones, t'es le monarque, je te dis un truc, tu fais. Ouais. Et en regardant un petit peu, parce que de temps en temps, quand même, tu te retournes sur ta carrière, tu te dis, mais à quel moment j'étais la plus productive? À quel moment j'ai pris mon pied? Où est-ce que j'ai vraiment appris? Bah finalement, c'est quand on m'a fait confiance et qu'on m'a donné de la liberté. Donc, dans ma manière de manager, moi, les managers que j'ai aujourd'hui, qui arrivent à telle heure, qui hurlent et qui, en fait, ne te laissent aucune possibilité de t'exprimer toi en tant qu'individu dans ton travail, c'est un management, en fait, qui aujourd'hui est obsolète. Bien et sûr. Du coup, j'ai racheté des bouquins sur le management des années 90-2000 et je me suis aperçue, et là-dessus je te rejoins, que c'était comme ça qu'on apprenait aux gens à manager les équipes. Avant, ouais. Voilà, sauf que l'individu est unique. C'est-à-dire que sur une équipe de 10 personnes, tu as 10 personnalités, tu as 10 points forts, 10 points faibles, enfin pas points faibles, des points à optimiser. Et il faut que chacun, en fait, se retrouve là-dedans. Et si chaque individu est heureux, c'est là que ta performance, elle arrive et c'est là que tu fédères et que tu fidélises, en fait. Exactement. Et je pense que, pour compléter ce que tu dis, c'est que le manager, il est là pour sublimer la personne qui est en face. Et tu vois, moi, j'ai la chance, ben, je suis dans les avions et les équipages changent. Chaque vol, mes équipages changent. Et en étant chef de cabine, c'est vrai que moi, quand je fais mes briefings, la première chose que je leur dis, j'ai confiance en vous. Vous savez faire. Vous êtes là, vous savez faire. Maintenant, moi, je suis là en support. Si jamais vous avez besoin de moi, je suis là. Mais faites parce que vous savez faire. Et c'est vrai que on m'appelle très rarement parce que finalement, dès le départ, je leur dis, vous êtes capable. Vous êtes là, c'est que vous avez toutes les compétences pour. Et ça change la donne de plein de choses. Et des fois, il y en a certains qui vont quand même me dire, comment tu veux que je fasse ça? Je dis, fais comme tu veux. La seule chose que je veux, c'est que tout le monde ait mangé. Mais sinon, à part ça, fais comme tu veux. Et souvent, on est surpris parce que bah, moi, je fais partie de la nouvelle génération. Justement, je suis partie des jeunes chefs de cabine. Et c'est vrai que les anciens, bah, c'est comme tu dis, les années 80, 90. Et on voit justement la différence d'approche. Mais je crois que c'est important de faire confiance aux gens. C'est essentiel. Moi, je vais revenir sur la nouvelle génération, en tout cas, que j'ai depuis 3 ans dans les écoles IMO.
le premier enseignement, en fait, c'est le cadre. Moi, je leur apporte de la sécurité du cadre, mais je les mets au même niveau que le mien, donc chers confrères, chers consœurs. Mmh. On attaque comme ça, bonne année, chers confrères, chers consœurs. Vous partez avec une jauge de 100% de confiance. Dans ma notation, c'est en noir, pas en rouge, et c'est que les points positifs et à optimiser. Et on s'aperçoit dans la notation, depuis 3 ans en fait, le scoring est excellent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à s'exprimer. Mmh. Alors, ce management un peu nouvelle génération, ce qui leur pose par contre problème, c'est qu'ils n'ont pas été habitués à cette liberté et que derrière, ils veulent surtout pas décevoir. Et là aussi, c'est important de dire, c'est pas ma vie. C'est-à-dire, vous ne me décevrez jamais sur les choix que vous faites. Moi, j'ai fait des choix de vie, des choix professionnels. Par contre, ne vous décevez pas, vous. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est clair. Et une fois que ça s'est dit, ça crée, je sais que tu fais beaucoup les stories et les posts, tu vois bien les interactions qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de respect. La base. Il y a une communication qui est très, très fluide entre nous. On en rit. Ils se sentent à l'aise. Ouais. Et derrière, pour eux, l'angoisse aujourd'hui, pour ceux qui ont continué, c'est de se dire, mais est-ce qu'on va tomber sur des intervenants dans qui ont le même type, en tout cas, d'approche ? Mais après, maintenant, vous savez travailler seul. Et vous allez être, vous devez aussi savoir vous adapter, puisque vous n'allez pas passer toute votre vie avec le même enseignant, avec le même dirigeant. Et majoritairement. Ouais, le clientèle. Les voilà. Gens changent aussi. Et ça, pour eux, c'est aussi les amener à devenir flexibles en tout. Par contre, le mode de pensée, ils l'ont. Ça y est. Ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial. Tu travailles dans l'immobilier. On a vu ton évolution, mais ton évolution est passée aussi par une période très difficile, qui est celle que tout le monde a vécue, le Covid. Comment, en tant qu'agent immobilier, quand tu ne peux pas faire visiter des appartements, quand tu ne peux pas faire tes cours, tu le vis comment ? Alors moi, très bien. C'est vrai ? Très, très bien. Ouais, c'est super bien, mais un kiff ultime. Parce que finalement, les cours se sont faits en Zoom. Ok. Donc, déjà, cette partie-là, ça allait. Après, il y avait la partie mentoring, puisque sur ce moment où les visites ne se faisaient pas. Donc, fallait absolument qu'on transforme cet instant qui pouvait sembler difficile en quelque chose de beau. Et le quelque chose de beau, souvent, ce qu'on voit en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, c'est que la formation est laissée de côté parce que on nous dit « ouais, mais j'ai pas le temps ». Ça, c'est une erreur. Dans d'autres pays, ils se forment énormément et pour eux, c'est un moment privilégié. Donc, on a utilisé ces 2 mois, notamment, où c'était de toute façon interdit de faire visiter, pour enfin se poser sur soi-même, retravailler des basiques ou apprendre de nouvelles techniques, que ce soit juridique, terrain, comment on se positionne en tant que manager immobilier, comment on optimise tel ou tel sujet. On s'est jamais autant formé en immobilier et je vais même te dire, il y a une émergence à ce moment-là de nouveaux formateurs. Alors, attention là aussi, hein, être formateur, faut faire du terrain à côté. Hein. Sinon, on est dans de la théorie. Moi, je suis pas d'accord sur un certain type de formateur. Mais on a vu surtout de nouvelles écoles de formation qui avaient été fermées il y a quelques années. Je pense notamment à des très grands groupes français. Ils ont remis ça au goût du jour parce que ils se sont dit, mais en les formant, on a du temps avec eux, on les connaît mieux. Et derrière, ils vont atteindre plus facilement leurs propres objectifs. Et nous, derrière, notre performance, elle sera fantastique. Donc, ce moment-là, il a été super. Et c'est aussi un moment où tu t'aperçois de la détresse humaine. Ou de peut-être ce que nous, on n'apportait pas. Tu vois, aller dans le quotidien, aller vite. Ça nous a permis de pointer finalement de nouveaux sujets sur lesquels nous, on doit travailler, qu'on doit livrer très rapidement. C'est aussi dire aux confrères, aux consoeurs, écoute, t'as envie de bosser à l'international, t'as pas fait d'anglais depuis le lycée, t'as 2 mois là, t'as pas comme au lycée, ok, t'as envie d'apprendre ça, t'as envie de travailler ta concentration, là t'es en difficulté sur tel sujet, regarde la législation. On a eu énormément de décrets pendant cette période-là, et puis on a pensé nous sur les visites, mais nos confrères dans la fratrie de la construction, ils n'avaient pas les permis de construire. Donc, nous, notre véritable difficulté n'était pas tant sur les visites, c'est de savoir si on allait avoir, à un moment donné, assez de produits quand ça allait recommencer. D'accord. Donc, toute la chaîne est impactée, en fait. Nous, on est indissociables les uns des autres. Moi, j'appelle ça la famille. Bon, alors, quand on est en privé, c'est la MIFA, j'ai même le suite, si tu veux. Mais donc,
Il y a les constructeurs, mais on n'a pas tous les mêmes compétences et il n'y a pas la nécessité d'avoir les mêmes acquis au démarrage. Donc, les constructeurs, les commercialisateurs, les gestionnaires, les bailleurs. Et autour, on a des professions qui sont satellitaires aux nôtres. Donc, c'était le moment aussi de se poser, de se parler entre nous parce qu'il y a peu d'interactions dans la fratrie. Ça, c'est surprenant. D'accord. Bah ouais, justement, parce que pour moi, c'était juste logique finalement, comme tu le dis, vous travaillez tous ensemble, donc forcément, il y a des connexions très faciles, très simples, très rapides. Ça aurait dû. Ouais. Et ça aussi, c'est du fait de notre entre-soi. Ouais. Et quand je parle d'entre-soi, c'est typiquement quand il y a des très très gros événements immobiliers, tu n'as que les équipes de direction. D'accord. Et moi, je suis partisane en fait d'intégrer le plus grand nombre, d'intégrer également les futurs diplômés. Donc c'est ce que j'ai fait en décembre et je vais refaire ça en janvier. Je veux voir tout le monde. Et dans les événements sur lesquels, en général, je suis en préparation, j'invite toutes les classes immobilières. C'est-à-dire que chez moi, tu as de l'immobilier commercial, tu as de la construction, tu as des bailleurs. Même si, pour eux, en fait, c'est pas forcément leur sujet de prédilection, ça se passe de la culture générale immobilière. Et ça aussi, dans les grandes écoles, on ne le fait pas. Si tu connais pas l'histoire de ton pays, si tu connais pas l'histoire immobilière, le who's who, donc là, ouais, on est dans la mode. Et surtout, aller échanger avec eux parce qu'on peut débloquer beaucoup plus de situations quand on est ensemble. Bien sûr. Finalement, on se gâche de belles rencontres. Ça commence par ça. Moi, je pars toujours de la rencontre. Et on se gâche d'opportunités et on se gâche de satisfaire finalement le plus grand nombre. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se faisait naturellement. Moi, j'ai cette culture. Pourquoi ? Bah, très simple, comme j'étais autodidacte, je suis passée dans pratiquement toutes les familles. Ouais, donc tu les connais. Voilà, donc je n'étais pas bloquée en ayant fait un diplôme de construction. Je n'étais pas bloquée en ayant fait juste une école de commerce. Je n'étais pas bloquée en ayant fait juste une école de gestion. Ouais, mais tu vois, j'ai un ami qui parlait justement du réseautage en France et qui disait qu'en France, on a beaucoup de mal encore à se créer des réseaux, alors que finalement, c'est la base et c'est la base de tout, c'est la base de plein de choses, et que encore, on a des gens qui ne veulent pas transmettre des contacts, des choses comme ça, en disant non, je garde pour moi, alors que il avait donné l'exemple de quelqu'un qui met en relation deux personnes, il disait mais tu me prends rien, au contraire, on est en train de tisser un lien qui devient plus grand que nous, et on est en train de créer quelque chose d'énorme. Et c'est vrai que j'avais adoré cette vision des choses où c'est pas que tu me prends quelque chose. Non, je te donne un contact, mais nous, on est en train de tisser quelque chose. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas encore cette notion de réseauter. Et ça commence un peu à venir. Et moi, j'adore. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt dans les réseaux féminins et des choses comme ça, mais ça commence à venir. Donc, je me dis, il y a de l'espoir. Je network énormément. Tu vois, sur le dernier trimestre, j'ai rencontré 26 000 personnes. En fait, tous les vendredis, moi, j'ai une journée de l'influence. D'accord. Une journée où j'enregistre pas, où je produis pas, où je coache pas, où j'enseigne pas. Mais en fait, je rencontre 2 à 3 personnes. Alors, soit c'est des personnes qui font déjà partie de ma vie, parce que c'est plus que du réseau, elles font partie de ma vie, ou des personnes que j'estime sur tel ou tel sujet et que j'ai envie de rencontrer. Donc, à minima, c'est 2 personnes tous les vendredis. Des fois, c'est 3, 4. Et du coup, c'est une habitude. Donc, c'est aussi pour ça que la communauté est montée très, très vite, mais j'avais ramené ça finalement et des États-Unis et de ce qu'on vivait enfant dans ce pays ou adolescent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur. Et quand tu te donnais rendez-vous à côté du terrain de basket ou pour prendre un café, tout le monde était là, il y avait toujours une personne qu'on ramenait en plus. C'est vrai, en plus. Ouais, c'est vrai. On sait le faire. Ouais. C'est juste qu'on a oublié comment ça fonctionnait. Là, ce qui a beaucoup surpris les gens également dans les interactions, c'est que quand tu fais un post, moi, les personnes concernées, en fait, interagissent directement. Donc, tu as quand même des grands patrons. Tu en as notamment un. Il fait partie des 500 fortunes américaines, le mec qui commente le poste. D'accord. Et je dis à tout le monde, mais cette période de confinement, elle a été aussi hyper intéressante parce qu'on a repris cette dynamique d'échange. Donc, c'est pas parce que c'est le plus grand, c'est pas parce que c'est la plus grande ou le ou la plus visible qui va pas vous répondre. C'est vrai. Donc, c'est ça aussi. Ça aussi, il faut y aller. Et ton ami a complètement raison. Le networking, le réseautage, on en fait pratiquement tous les jours. C'est-à-dire que tu fais tes courses, c'est pas la même caissière. T'as réseauté. Tu vas prendre un café, il y a des personnes à côté, t'entends un sujet, t'interagis, tu réseautes, tu sais jamais ce que ça peut donner. Exactement. Exactement. Et c'est comme ça, en ayant cette ouverture, tu vois, on revient à ce que tu disais tout au début, cette ouverture.
cette ouverture d'esprit, cette ouverture vers l'autre, bah, que des fois, on fait des rencontres qui sont juste dingues. Il ne faut pas s'en priver. Et en plus, ça nous permet de travailler sur d'autres sujets. Typiquement, quand on parle de networking dans, auprès soit de professionnels, enfin d'acteurs, moi je préfère le mot acteurs, qui sont déjà en place, ou de jeunes acteurs, donc futurs diplômés ou déjà diplômés, là aussi, c'est de leur dire, mais vous allez travailler votre élocution, vous allez travailler votre discours, en fait. Quand vous êtes en clientèle, il y a ce qu'on appelle le pitch elevator, donc en 3 minutes, convaincre quelqu'un. Donc ça, c'est les écoles de marketing et de communication qui avaient lancé ça, puis repris par les écoles de commerce. Et n'importe qui, en tout cas, en contact avec quelqu'un qui a une prestation de service ou un produit à vendre, connaît cet exercice. Ben, le fait de le faire naturellement, sans stress, en se disant, j'ai pas besoin. Là, je suis dans un autre instant, mais en fait, il travaille là-dessus, et ils s'aperçoivent qu'ils deviennent de plus en plus à l'aise à l'oral. Parce qu'en fait, ils ne sont pas à l'aise à l'oral. Ça aussi, c'est vrai. Ça vient des écoles, ça ne va pas du tout. On va justement parler de ton école que tu as créée, mais avant ça, tu es quand même la première influenceuse mondiale d'immobilier. C'est dingue de dire ça. C'est quand même dingue. Quand tu as été nominée et quand tu as gagné justement ce prix, comment tu as vécu le truc? Comment tu t'es dit « Waouh, là, je viens de passer un cap » ou non, pas du tout, c'était juste une suite logique finalement de tout ce que tu avais fait depuis toutes ces années? J'ai cru que c'était une blague. C'est vrai. Je l'ai très très mal pris. Alors ils ont appelé le fait que j'ai raccroché. Et parce que ça, c'était pas enfin, dans ma façon de réfléchir, je me suis dit c'est pas possible qu'on m'appelle des États-Unis pour ça. Et donc ils ont rappelé 2 minutes après en disant mais c'est pas une blague. Bah, c'était logique que je prenne ça pour une blague. Quand tu vois les gros brokers ou les grands groupes dans d'autres pays, il y a des communautés qui sont extrêmement importantes et je comprenais pas pourquoi. Moi, j'ai une communication très sobre en plus. Il y a pas de, il y a peu de reels, il y a beaucoup de mentoring. Je parle d'autres personnes, donc j'avoue que sur le moment, ça m'a un peu déstabilisée et que oui, j'ai cru à un canular. Hein, il y a pas d'autres termes. Et quand ils ont rappelé quelques minutes après en me disant mais non, 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 c'est la politique de contenu parce que personne n'avait traité ça comme ça. Je leur dis mais je suis en France, je suis française. Oui, mais vous avez travaillé pour un groupe américain et vous écrivez en anglais, donc nous ça nous intéresse et voilà, vous avez créé quelque chose. Donc au-delà du fait qu'il y ait cette terminologie, en fait j'ai créé un métier. Carrément. Et en fait c'est ça la différence, c'est ça qui a fait ta différence. T'as créé quelque chose qui n'existait pas. Exactement. Alors que c'était parti, se compte vraiment sur quelque chose. C'était plus du soutien pour les autres pendant le confinement. C'était les maintenir en fait dans une dynamique professionnelle en leur disant bah voilà, il y a tel individu dans le monde qui fait ça. Là aujourd'hui, on va apprendre telle notion. Là, on va parler de tel produit, on va vous aider là-dessus. C'était vraiment très, enfin c'est très basique chez moi. Tu connais le compte. Ouais. À part les stories où c'est là vous vivez plus ma vie, des bons, des mauvais moments, je mange un babybel, je me casse à talons, enfin la communauté vit un petit peu là-dessus, ça fait rire tout le monde, mais par contre sur le feed en lui-même, c'est très sobre, c'est pas quelque chose de bling bling, donc j'étais aux antipodes de ce que moi je pouvais voir. Ouais, mais moi, justement, quand je regarde ton compte, je trouve qu'il est hyper tourné vers l'humain parce que tu partages énormément de messages d'autres personnes, beaucoup de livres d'autres personnes, tu cites beaucoup les autres. Et justement, je me dis, est-ce que justement pendant cette période où on s'est retrouvé, comme tu le disais très bien, à se recentrer, à se reposer les bonnes questions, à se dire que finalement, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut remettre l'humain au centre de nos relations, ben, ces mecs là-bas se sont dit, quand je dis mecs, hommes avec un grand H, se sont pas dit, mais finalement, la redéfinition de notre métier, c'est aussi ce qu'elle fait, c'est remettre l'humain au centre, en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça a fait la différence par rapport aux autres. Alors, c'est peut-être ça, mais c'est vrai aussi que quand tu regardes bien le feed, tu vois bien que j'ai switché un compte perso à un compte pro. J'ai pas voulu enlever le perso parce que c'est aussi l'histoire du compte et ça va avec mon caractère. Moi j'ai plus l'habitude et mes premiers jobs en fait j'ai toujours été la femme qui était derrière la grande femme ou le grand homme. Ouais. Donc parler de moi, ma vie, mon œuvre, c'est quand je regarde d'autres comptes hein, sur d'autres sujets, va arriver ce moment délicieux où je vais me dire mais en fait cette personne-là est un but d'elle-même et ça peut m'agacer mais quel que soit le sujet en fait hein. Ouais. Et du coup
pour avoir travaillé beaucoup dans les équipes et soutenu les équipes bien avant la Covid, bah, tu rencontres beaucoup de personnes en fait qui méritent qu'on parle d'elles et dont on ne parle jamais. Sauf que si elles ne faisaient pas le métier, encore une fois, mon métier n'aurait pas vocation à exister ou des directions n'auraient pas vocation à exister. Donc, c'était leur dire, bah, si tu as quelque chose en toi que l'autre personne n'a pas et qui va faire grandir professionnellement ou sur des pans de nos métiers qui sont jamais touchés. Moi, je parle beaucoup des marketeurs et des communicants. Pourquoi ? Parce qu'on a une difficulté dans l'immobilier, on n'en a pas. Ouais. Et le fait de dire « Ok, je vais faire un podcast avec un marketeur ou avec un super communicant », parce qu'aujourd'hui, ça s'est ouvert aussi comme ça, ça permet à tout le monde de se dire « Ok, donc en fait, j'ai pas rêvé, ça se passe vraiment comme ça ». Ouais. Et en plus, comme ce que tu disais aussi tout à l'heure et qui est important pour toi, ça permet aussi d'élargir un peu le spectre des personnes qui s'intéressent à ce milieu. Alors oui, il y a les pros, mais pas que. Et finalement, ça rend un domaine où on a l'impression, bah, comme tu le disais encore, que c'est un entre-soi beaucoup plus accessible. Moi, je prône la lisibilité et l'ouverture. Mmh. L'ouverture ne peut fonctionner que finalement que si nous expliquons. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu discutes avec chaque individu, qu'il soit dans l'industrie, qu'il soit vendeur, acquéreur, moi, je m'aperçois depuis des années que c'est toujours pas lisible. Ouais. Et qu'on veut surtout pas expliquer. Et en expliquant, en emmenant finalement la personne en face de nous dans notre monde, elle va nous donner l'autorisation d'aller également dans son monde. Et c'est là, en fait, que les interactions professionnelles intéressantes naissent. J'ai adoré, moi, cette année, par exemple, faire des conférences dans des écoles de marketing et de com. Trop bien. Alors que mon produit, à la base, enfin, ils étaient très surpris qu'il y ait une conférencière qui vienne de l'immobilier. C'est, ouais. Et j'ai fait un appel. Voilà, moi, j'ai besoin aujourd'hui, il y a des gens qui communiquent mal. L'immobilier, ça fait fantasmer les gens, sauf que je trouve ça préjudiciable, dangereux, d'avoir finalement des personnes sur YouTube, sur Insta, sur d'autres médias sociaux qui ne sont même pas issus de l'industrie, autodidactes ou non, hein, et ouais. Qui racontent n'importe quoi. Il y en a beaucoup. Il y en a trop. Mais ça aussi, à terme, tu vois, dans la manière dont on est en train de fonctionner, on s'est aussi recalibré sur les compétences. Et ce moment où ça marche véritablement, c'est aussi parce qu'avant, il n'y avait pas tant d'écoles qui formaient les grands dirigeants de l'immobilier. Et finalement, ça aussi, ça a entre 5 à 3 ans. Donc, avant, il y avait 2-3 grandes écoles. Aujourd'hui, on compte une vingtaine de campus. D'accord. OK. Avec cette obligation. Et là, eux, ils arrivent d'entrée de jeu avec les compétences. Ce qu'ils n'ont pas, finalement, c'est le terrain. Mmh. Et dans la communication, moi, je leur dis qu'ils communiquent mal. D'accord. Et ça, si on arrive à tout bien calibrer, et ben finalement le client derrière, si on lui apporte véritablement ce qu'il attend, en tout cas déjà dans notre communication, ça va être beaucoup plus simple. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que, alors là, tu as passé la barre quand même symbolique des 1 million de followers, donc tu as beaucoup plus. Ce que je trouve dingue, c'est justement quand on parle d'influenceuse immobilier. Est-ce que l'immobilier, c'est à la mode? Est-ce que c'est un truc à la mode aujourd'hui, selon toi? C'est plus que ça. Alors, ça dépend du pays où tu te trouves. C'est-à-dire qu'en France, c'est une passion française depuis pratiquement toujours. Les Français aiment la pierre. C'est 20% du PIB à minima par an. Ouais. T'as d'autres pays. En fait, c'est pas forcément une mode. C'est que chaque individu sur cette planète a envie d'avoir un toit sur la tête, que tu sois locataire, que tu sois propriétaire, quelle que soit ta situation de vie à l'instant où on se parle. Donc, ça parle. Cette notion de logement, d'habitat, plus que d'immobilier. D'accord. Parce que c'est pareil aussi. Quand on parle immobilier en France, on ne pense qu'à la transaction, à la location. Mais avant, là aussi, on revient sur cette notion de famille. Si on ne construit pas des logements, quelle que soit leur destination, ou en tout cas, si on ne construit pas, parce que dans les destinations, tu as aussi les commerces et plein d'autres choses. Bien sûr. On veut plus derrière qu'on ait une activité qui nous permette, après, d'avoir ce fameux habitat. Tu as, quand tu utilises logement, habitat, immobilier, tu as des notions philosophiques qui diffèrent
Bien sûr. Ouais. Donc ça parle, voilà. Manger, se loger, respirer. Mais là, pas de... respirer, manger, non. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que souvent ce qui était remonté, c'est que c'est pas, c'est soit des grands textes, ou alors tu as aussi les émissions. Ben, là, je te parle de la France. Je sais qu'en Allemagne, c'est une autre façon de, ouais, de travailler au niveau de l'immobilier. Et d'ailleurs, on est vachement suivi en Allemagne et c'est cool. Hein. Moi, j'adore discuter avec mes confrères et consoeurs allemandes parce que c'est aussi le reflet du pays, comment ça fonctionne. Clairement. Et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu ça de loin, tu regardes les émissions sur l'immobilier en France, elles sont à 2h du matin. Qui regarde de l'immobilier à 2h du matin? mais les grosses annonces se font là ou sinon à 7h40 le matin sur les radios nationales. Mais c'est pareil sur les avis que tu as. Toi, tu es en vol. Est-ce qu'à 7h40, tu vas écouter la radio? Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on arrive à avoir des tribunes plus régulières pour, si tu veux, permettre à l'auditoire de vivre ça plus sereinement. Parce que la crainte, en tout cas le stress et la passion, est générée par l'effet rareté finalement des moments qui nous sont consacrés. Ouais, bien sûr. On a déjà parlé beaucoup, mais c'est super intéressant de parler avec toi et je pourrais en parler des heures. Mais on arrive vers la fin de notre entrevue. Mais j'ai quand même envie de parler des femmes. Parce que moi, voilà, c'est un domaine qui est important pour moi. Les femmes dans l'immobilier, t'as quel regard dessus? Est-ce qu'aujourd'hui, t'as l'impression qu'on a fait un pas en avant et qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à l'immobilier, que ce soit pour travailler dans le secteur ou pour investir? Ou est-ce que c'est encore très timide? Alors, il y a quelque chose que les Français n'ont pas non plus, et pourtant, on est le bon élève de l'Europe. C'est le pays dans lequel t'as le plus de femmes travaillent dans l'immobilier. On est 62% de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. C'est vrai? Sauf qu'en fait, on n'est pas visible. Waouh! Ah ouais, mais j'aurais même pas imaginé, tu vois. C'est l'entre-soi de l'entre-soi. Donc là aussi, le fait d'être de plus en plus visible et d'accepter de venir faire des podcasts parce que j'ai envie de le faire, ou des interviews ou de la presse, je donne le pourcentage à chaque fois. C'est un pourcentage qu'on a eu l'année dernière. Moi, je suis pas surprise parce que quand t'es dans les bureaux ou quand tu vas à certains événements, on est là. D'accord. C'est juste qu'elle s'expose moins. Souvent aussi, ce que tu remarques dans les forces commerciales, c'est que sur le podium, en général, il y a toujours une femme. Ok. Donc, performante. Au niveau de l'investissement, c'était un peu plus complexe. Alors, l'investissement, attention. Attention, parce que moi, dans mon esprit, l'investissement, c'est de la défiscalisation. Donc, ça, c'est des gens qui sont côté gestion de patrimoine. Mais il y a une autre dynamique aujourd'hui, en tout cas, d'autres types d'investisseurs qui émergent et qui le font de manière personnelle, puis deviennent des investisseurs professionnels. Donc là, c'est vrai que les femmes n'étaient pas visibles. Ouais. Du tout, du tout, du tout. Donc, quand tu vas sur YouTube et que tu cherches investissement immobilier, aujourd'hui, de mémoire, il doit y avoir une jeune femme qu'on voit un peu plus régulièrement et qui, pareil, a fait une interview, je crois, de mémoire pour Radio Immo, mais Radio Immo, personne n'est connecté. Acteur de l'immobilier. Ouais. Je sais que, de mémoire, elle doit écrire un livre en ce moment. Mais alors, s'agira-t-il de comment j'investis ou de sa vie, je ne peux pas te dire. Mais elle est seule face aux autres. Ouais, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Après, là aussi, elle est pionnière. Moi, je sais que de cette histoire de notoriété, en fait, on m'a un petit peu poussée à y aller. Et derrière, bon, ça me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange, à contrario, c'est que quand je vois des grandes PDG en IMO et que on ne les voit que dans certains types de presse spécialisées qui coûtent pas un euro, C'est pour ça aussi que l'incarnation ne se fait pas, l'incarnation féminine, mais je vais même aller plus loin, l'incarnation de tous les grands patrons de l'immobilier en France. Donc ça, c'est un sujet. Si tu n'incarnes pas, comment veux-tu que finalement ça se passe bien et que les parts de marché soient au rendez-vous, et surtout que tes clients vivent ce qu'ils attendent?
Donc là, les femmes, il faut qu'elles se montrent. Moi, j'invite typiquement là, les jeunes diplômés. Majoritairement, j'avais 80% de femmes hein, dans les écoles. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais elles ont toutes maintenant les comptes LinkedIn et Instagram Pro. Moi, j'ai demandé de vous parler de vous, vous parler de votre métier, vous montrer, vous y aller. C'est hyper important parce qu'on a besoin de représentation pour se dire, ben, si je peux y aller, en fait, il y a de la place pour moi parce que ben, elle l'a fait, elle est là et elle performe. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je vais prendre l'exemple, mon cas de femme noire. Aujourd'hui, en France, je pourrais pas te citer une femme noire dans l'immobilier, et en tout cas qui performe et qui le fait savoir. Alors, il y en a peut-être. Il y a peut-être des femmes qui ont un patrimoine immobilier important, tout ça. Mais comme elles n'en parlent pas, ben, je me dis, mince, c'est dommage. Parce qu'en plus, nous, de par plein de choses, de par l'histoire, on a une approche financière qui est très compliquée. Et c'est vrai que là, moi qui suis dedans, mais moi, je suis novice depuis un an et demi, quand je regarde, comme tu le disais, sur Internet, tout ça, ben, je vois beaucoup d'hommes et très peu de femmes qui sont dans l'investissement. Et je me dis, mais c'est dommage, en fait. C'est tellement dommage parce que si moi, je ne me sens pas représentée, ben, les petites jeunes qui arrivent derrière, non plus. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça parce que, mine de... Alors oui, ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui vont quand même y aller parce que, ben, comme toi, qui ont cette force mentale de se dire, non, je vais aller là, ben, je vais y aller, même s'il n'y a personne qui me ressemble, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que la majorité des gens ont quand même besoin de se dire... Ouais, la porte, elle est même entrouverte, donc je peux au moins mettre un pied dedans, quoi. Alors, les jeunes femmes qui sont noires, qui sont beurre, qui sont asiatiques, elles arrivent. Donc, moi, je les avais en cours. Ouais. Et elles s'exposent, elles le font extrêmement bien. Parce que tu as deux sujets, finalement. Tu as être une femme et être une femme de couleur. Ouais. Et c'est vrai, moi je vois, et je me suis énervée il y a quelques mois là-dessus, on est invité à une réunion et on est beaucoup, et c'est au moment des législatives. Et je regarde la salle, et c'est que des acteurs de l'immobilier, je ne vois que des hommes. On devait être 3-4 femmes dans la salle, alors qu'il y a des femmes hein, sur l'estrade. Je ne vois pas de jeunes, je ne vois personne de région et je ne vois personne de couleur. D'accord. Or, c'est pareil, ça c'est aussi une dynamique que la clientèle nous remonte. C'est-à-dire, tu vas dans une agence ou tu vas vers tel ou tel acteur de l'immobilier qui est indépendant parce qu'il te ressemble. Il y a une connexion. Et à ce jour, moi je tiens à le dire, je n'ai jamais rencontré une femme noire dirigeante d'une agence immobilière. C'est Alors, vrai. J'ose espérer qu'elle existe en France. J'espère. Et par contre, je sais qu'il y a une DG. Il y a une DG, mais c'est un couple. Mais une femme seule, non. C'est dingue. Et du coup, les communautés, là aussi, quand les clients arrivent en te disant « Mais en fait, j'ai personne qui me ressemble », c'est pas normal. C'est-à-dire que là aussi, l'immobilier reste un reflet de nos sociétés. Ouais. Donc, on ne peut pas décemment être toujours, enfin, conserver ce modèle qui date d'un ancien temps. C'est-à-dire qu'une équipe, moi j'avais des équipes il y a quelques années, notamment une, on s'est moqué de moi pendant des années en me disant tu as une équipe United Color of Benetton. Ouais, mais c'est le reflet de la France en fait, du pays dans lequel tu vis. Alors il y avait ça, et puis j'allais surtout les chercher pour leur talent. C'est-à-dire que moi, peu m'importe. Et cette équipe où tu avais toutes les couleurs de peau, toutes les religions, vivaient parfaitement ensemble, cartonnaient ensemble. Et le fait aussi... alors, certains m'ont dit des années après, mais c'est parce que tu étais blanche, tu passais, quoi. Tu passais en forme. J'ai dit non, moi, je suis venue vous chercher parce que vous étiez les meilleurs, parce qu'il y a eu aussi ce moment de rencontre entre chacun d'entre vous, chacune d'entre vous et moi, et que finalement, ça revient à l'enfance. Ouais. Ouverture. Exactement. Ça va être le mot de ce podcast, l'ouverture, et ça, on va le garder. On va terminer sur ton école. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, il y a l'école dans laquelle moi j'exerce qui n'est pas la mienne. Et là, il y a une école de mentoring qui commence en janvier. Où là, moi, je suis en train de faire un casting des meilleurs. Des meilleurs. Donc, tout le monde ne rentre pas. C'est toi, tu rentres, soit tu rentres pas. Donc, je te rassure.
toute couleur de peau, toute religion, ça me ressemble comme d'habitude. Mais c'est surtout des valeurs et des compétences. L'objectif, c'est de upgrader un petit peu le niveau et que ils se rencontrent aussi entre eux. D'accord. Parce que je me suis aperçue en décembre, quand on a fait ce fameux événement, que c'était la première fois qu'on mélangeait tout le monde, toute tranche d'âge, tous milieux sociaux. En fait, le point commun des personnes qui étaient là et le point commun des personnes qui seront là en janvier, c'est tout simplement qu'ils veulent être les meilleurs, mais avec des valeurs humaines très, très fortes. Donc, c'est que le client reste en fait notre priorité. D'accord. Et aujourd'hui, moi, dans la dynamique de l'école, en tout cas de ce projet moi que j'ai, c'est d'une, leur donner ce qu'on ne leur donne jamais en France au niveau du niveau. Je suis exigeante intellectuellement, déjà pour moi, mais aussi pour eux. Et on ne leur donnait jamais, en fait, ce fond. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est inexplicable. Est-ce que c'est la peur de partager le savoir? On en parlait tout à l'heure, mais la transmission, en fait, le savoir, c'est pour être partagé. Hein. Bah oui. C'est pas mon précieux comme dans le Seigneur des Anneaux. C'est pas du tout ça. L'objectif, c'est que déjà, ils ont commencé beaucoup à tisser des liens en décembre l'année dernière, qu'ils ont continué à travailler sans eux, entre eux, quel que soit le statut, quelle que soit la situation géographique. Ils ont pris confiance en eux, on va continuer comme ça. Donc, j'amène le mentoring en France, j'amène des formations beaucoup plus poussées en France, mais je n'ouvre pas à tout le monde parce que là aussi, ça, je fonctionne, moi, à la méritocratie. Alors, montre-moi que tu mérites. Montre-moi que tu as le niveau, en tout cas, ce que moi j'espère au niveau des valeurs, et que tu vas bien t'intégrer dans cet énorme groupe, parce qu'au final, ils vont quand même être déjà une centaine, si tu veux. Ouais, d'accord, ok. Bah, pour un public de 100 000, hein, parce que les commercialisateurs, c'est 100 000. Alors, pourquoi ne pas ouvrir et ne pas faire un chiffre d'entrée de jeu phénoménal? Moi, je viens pas là pour faire des claquettes. Je viens là pour faire évoluer, en fait, le business. Ouais, et donc l'excellence. Voilà, l'école de l'excellence, et parce que je vois déjà des résultats, et certains d'entre eux m'ont déjà énormément surprise. Moi, j'ai par exemple quelqu'un, et tu en entendras parler, qui est une jeune femme, qui a demandé beaucoup, beaucoup de coaching et d'accompagnement. On a travaillé, puis à un moment donné, bon, elle est quand même issue de Limo, et elle me dit, elle est dans le sud de la France, elle me dit, mais moi, l'anglais, ça fait longtemps, machin, nan, nan. Puis il y a quelques mois, elle envoie une photo, et elle me dit, l'ambassade américaine. Donc, je l'appelle tout de suite, je lui dis, mais comment ça, l'américaine? Elle me dit, bah, en fait, tu m'as grillé parce que je voulais te faire un poste en te disant que j'ai repris des cours en anglais. Et donc, on vient de faire une transaction complète avec l'ambassade américaine là où je me situe. Et ça s'est tellement bien passé, en fait, qu'ils vont me recommander. Et elle me dit, si tu m'avais pas poussé là-dessus, alors j'ai pas poussé hyper fort, je lui dis, mais en fait, vous êtes capable. Ouais. Et c'est pas Paris, en fait. Il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Marseille, il n'y a pas que Lille, mais c'est ce moment-là et le fait, ils sont au courant de cette école, en tout cas de ce gros projet depuis plusieurs mois les uns les autres, parce que j'en ai certains que j'ai déjà pris, et tu vois, dans les coachings, ils vont en faire partie, ceux-là. Ouais. C'est de leur dire, voilà l'état d'esprit, voilà pourquoi tu es là, et voilà où moi je t'attends. Trop bien. Et c'est pareil, c'est sur scène, c'est-à-dire moi je leur ai dit cet événement-là, vous allez me voir une heure sur scène. Par contre, moi, je veux des tables rondes. Je veux que les jeunes diplômés viennent parler. Je veux que vous veniez parler de ça. Et vous allez réfléchir en plus. Il va y avoir un moment où c'est eux que je vais mettre en action. Mais c'est hors de question que vous m'écoutiez 7 heures. D'accord. Ouais. C'est à vous de faire le job. Oui, c'est bien. Si on veut postuler pour entrer dans ton école, on fait comment? Très simple. En fait, on m'envoie un MP sur Instagram. Okay. Ou sinon, tu l'envoies sur julie.doirin@gmail.com. Et moi, je prends le temps de répondre à tout le monde. J'ai pas de community manager, je ne veux pas. Ouais. C'est des questions très techniques en général où, de toute façon, la communauté s'est aussi montée parce que il y a eu cette considération et le fait de pouvoir se parler en direct. Ouais. Donc, je réponds, je donne les prérequis, j'explique comment ça fonctionne. Et derrière, bien évidemment, il y a ce fameux moment où, oui ou non, je vais dire, OK, là-dessus, donc ça rentre sur les valeurs, on est bien. Moi, j'ai travaillé des années pour des gens, alors une partie de ma carrière pour des gens qui avaient énormément de valeurs, et puis pour d'autres personnes pour lesquelles, en fait, il y avait que la performance qui comptait et qui n'avaient pas mes propres valeurs. OK. Donc, je suis revenue là aussi à mes fondamentaux, c'est-à-dire que, OK,
tu as envie d'évoluer, tu as envie d'aller, enfin, ou en tout cas de peut-être de découvrir quelque chose maintenant, sans les valeurs et surtout dans l'époque dans laquelle on vit, c'est de l'éthique. Ouais. Qui prime. C'est important. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'humain revient au centre des choses. Oui. C'est la base. Et alors, je vais poser la question la plus difficile du podcast. Ce sera la dernière. C'est la dernière et c'est la plus difficile. Est-ce que tu as bu tout ton café, c'est ça? Non, j'ai bu tout mon café. En fait, je l'avais bu depuis tout à l'heure, mais ouais, je l'ai bu. Alors, si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il? Allez-y. C'est allez-y. Simple et efficace. Tu sais, en fait, on n'a qu'une chance, on n'a qu'une vie. Donc, en fait, si on passe notre vie à se dire « Oh là là, et peut-être, et machin, et non, 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 allez-y. » De toute façon, c'est le moment. Donc, on sait que jusqu'à 2030, il y a encore, je ne sais plus combien de pourcentages de métiers qui n'existent pas. On est en pleine création d'une nouvelle civilisation. Ouais. Donc, c'est vraiment le moment d'y aller. Et OK, moi, je vais être aussi lisible par rapport à tes auditrices et à tes auditeurs. Bien sûr qu'il y a des moments où je doute. Bien sûr qu'il y a des moments où je retravaille ma stratégie. Cet été, moi, j'ai eu un moment très, très difficile. Donc ça, j'ai aucun problème à le dire. On m'a volé ma valise avec mon ordi, avec le manuscrit de mon bouquin. Donc, ma société et ce que j'étais en train de préparer. Donc, l'ordinateur, j'en ai eu un après. Le manuscrit est revenu après. Mais en tout cas, ces 3 semaines, finalement, où j'ai dû tout décaler, j'ai eu ce moment où j'ai perdu pied. Mais si ça s'est passé, aujourd'hui, moi, quand je regarde ça, je me dis, mais non, en fait, j'ai rebossé toute ma stratégie, j'ai retravaillé tout mon contenu pour l'année à venir, parce qu'il y a des choses qui évoluent. Mon projet a avancé, j'ai continué à écrire, et du coup, je vais être beaucoup plus efficace, puisque c'était ma première année, et que la première année, on est gourmand, hein, on est limite boulimique, on peut partout tout faire. Sauf que, pour être efficace, et surtout pour être bien dans ses baskets, parce que pour être un bon, faut être bien dans ses baskets. Ouais. Ces moments-là sont nécessaires. Donc, oui, vous allez douter, mais pour douter, faut y aller. Ouais. Mais moi, je ne peux dire que oui, quoi. Ce sera pas facile, ce sera pas linéaire, mais faut oser, faut y aller. Et vous allez voir, il y a des moments extraordinaires. Il y a des moments où vous vous dites, mais en fait, je touche plus terre. Et puis, il y a des moments où c'est pas comme ça tous les jours, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait en fait que vous devenez la personne que vous devez être, le dirigeant ou la dirigeante que vous devez être, que votre projet grandit, que les investisseurs viennent, enfin c'est nécessaire. Et autre peut-être conseil que je donnerais, c'est soyez bien entouré. Là aussi, vous allez écrémer les gens autour de vous. Dès qu'il y a de la réussite, il y a un public qu'il faut tout de suite éloigner de soi, qui sont les envieux et qui veulent juste de la lumière. Donc, ouais. D'où l'histoire de l'école d'excellence. C'est-à-dire que là, je suis en train d'aller gentiment, mais sûrement, ces personnes qui, pour moi, ne viennent finalement que pour prendre un selfie ou pour dire j'y étais. Et moi, j'ai pas ce temps-là. En tout cas, je n'ai pas ce luxe-là. Merci beaucoup Julie pour ce moment, c'était vraiment une conversation, un échange hyper agréable, on a appris beaucoup de choses et on a envie de voir la suite parce que ça promet de très très belles choses, donc vraiment merci. Merci à toi Tia, plein de bonnes choses à vous tous et à vous toutes et commencez votre nouvelle vie dès demain, faut y aller hein. Exactement. Merci aussi à vous qui nous écoutez chaque semaine. On est de plus en plus nombreux, donc vraiment merci. N'oubliez pas, votre podcast est en ligne tous les lundis sur toutes les plateformes et sur YouTube. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine.